Réunis en groupe de travail durant 3, 4, voire 5 jours selon le domaine spécifique, les 4 commissions mises en place par la 5e session ordinaire dite budgétaire du conseil départemental et municipal ont démarré leurs travaux ce mercredi matin. Ces groupes de travail ont reçu la visite du président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kondo. Reparti dans différents lieux de travail, notamment à la permanence du conseil pour la commission aménagement et affaires domaniales, dans la salle de réunion de la cellule des marchés pour la commission équipement et travaux urbains, la salle des mariages pour la commission environnement, santé et affaires sociales, enfin au registre foncier urbain, RFU, pour la commission économie et finances. À savoir que ces commissions sont chargées d'étudier les projets, elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions notifiées dans un rapport qui sera exposé et débattu en séance plénière.